Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Je tenais à vous faire un coucou ce matin. J'espère que vous portez bien comme moi. Voilà. Je bois de l'aloe vera. C'est très bon pour la santé. Je voulais partager avec vous quelques petites questions qui vous turlupinent. Parce que je suis une personnalité publique, une star camerounaise. Et alors, il y a beaucoup de gens qui veulent connaître des choses de ma vie. C'est pas que je cache, je tenais à vous dire que une femme de 50 ans a déjà subi beaucoup de transformations. Et pour celles qui ont un peu d'argent, elles font de la chirurgie esthétique. Dans la plupart des femmes que vous voyez, les stars camerounaises, surtout celles du Bikoutsi, qui ont un peu d'argent, peu d'argent qu'elles trouvent dans la prostitution, ont déjà changé leurs dents, leurs seins et leurs fesses. Moi, je n'ai jamais subi une chirurgie esthétique. Dernièrement, j'ai fait changer mes dents parce que quand je parle à quelqu'un, il regarde déjà mon visage. Ce n'est pas un défaut de regarder, mais si je peux changer ça, je me suis dit, je vais avoir 51 ans. Au moins, il faut que je subisse la chirurgie esthétique des dents pour améliorer mon sourire. Je n'ai pas fait ça parce que j'ai peur. Sinon, je l'aurais fait depuis. Quand j'ai eu cet accident à 16 ans, ma mère était cadre à la Sonel. Le médecin de la Sonel voulait me changer les dents. J'ai refusé. Parce que ça ne m'a jamais empêché d'avoir un mec dans ma vie. Je me suis même mariée avec un beau garçon. Il a bien vu mes dents, non? Donc, j'ai décidé de changer ça. Ça m'a coûté 2000. Je ne porte pas de dentier. Je n'ai pas de dentier. C'est des vraies dents implantées. Vous savez qu'en Europe, particulièrement en France, chacun est doué dans sa spécialité. Donc mon dentiste m'a mis des vraies dents. C'est deux, les deux là. Donc ça fait que j'ai changé la dentition pour améliorer mon sourire. Entre-temps, les chanteuses de Bikoutsi, elles sont trois ou quatre, des prostituées. Vous les connaissez toutes. Parce qu'elles se discutent les hommes entre elles. C'est-à-dire qu'avant que l'une d'entre elles aille se marier, il a déjà couché toutes ses collègues. Ce n'est pas mon cas. Les mêmes hommes me draguent aussi, mais je refuse. C'est-à-dire la prostitution connaît les filles du Bikoutsi. Et c'est vous qui vous voulez me provoquer. Je vais toujours vous dire la vérité cache. Elles ont déjà changé les dents. Regardez leur façon de rire. Elles ont changé les dents. Elles ont refait les seins. Les seins là. Elles ont fait les fesses pour qu'on les remarque. Pourquoi ça vous pose un problème si je change ma dentition? Ça m'a coûté 2000 euros. Je tenais à le faire pour que j'améliore mon sourire. Mon chéri est même fâché. Je lui ai dit que, ah, mon frère, laisse. J'ai changé les dents. Il faut quand même que j'ai aussi quelque chose de nouveau sur moi. Je tenais à vous faire partager ça parce que je lis les commentaires. Et je tiens à dire à ceux qui viennent toujours insulter que je n'ai plus le temps de me fâcher. Parce que vous allez faire ça toute la vie. Et comme moi, jusqu'en 2050, je suis opérationnelle. Est-ce que je discute avec quelqu'un? Quand je suis inspirée, je viens sur Internet, je fais et puis c'est tout. Je vous donne le travail. Je suis opérationnelle jusqu'en 2050. D'accord? Je viens de me réveiller. Partage mon entrejambe avec vous. D'accord? En face, alors, si quelqu'un essaie d'ouvrir, même le téléphone va s'éteindre. Les odeurs, les cuisses calcinées. Vous avez dit que vous pouvez avec moi. Sans vaseline. Je reste et je demeure la tronçonneuse verbale du Cameroun. D'accord? Il n'est que 9 h. À peau de lune. D'accord? Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ayez l'entrejambe propre. C'est très important pour une femme d'avoir l'entrejambe propre. Pas les calcinés d'en face, les zoophiles. Les filles perturbées avec la cocaïne, avec la prostitution dans les camions. Vous faites pitié. Parce que tu fais les vidéos, tu veux défier une romancière. La cocaïne n'est pas bien. C'est le forfait. Quand vous fumez le fofo là, donc quand tu as fumé le fofo, ça te projette trop loin. Voici les vraies lunettes.
pas les lunettes de 1 euro qu'une certaine zoophile vend. Voici les vraies lunettes. Tu portes, ça te rehausse. T'aimes pas le fort, d'accord. Bonne journée. Gardez le sourire surtout et l'entrejambe propre. C'est très important. C'est pour ça que je ne peux jamais chômer. D'accord? Et buvez l'aloe vera. Ça nettoie le corps. Si ma peau est belle, je bois ça et je me lave avec un bon savon et l'huile d'argan mélangée avec l'huile d'olive et l'huile de palmiste. Depuis 25 ans, c'est ce que je fais. Je vous aime. Je vous dis à bientôt. La femme à la peau de l'huile s'en va. Ciao.